D'accord. Je peux prendre la bougie. J'y vois que Chim. Ah, F. Oh, on est revenu dans le passé. Ok. D'accord. Bon, mais cool. Peut-être en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé. Les médecins ont fait un mauvais diagnostic pour Ivan. Il a besoin d'une transplantation cardiaque, c'est la seule façon de l'aider. Je n'ai plus la force de me battre contre eux, nous avons décidé de ne plus les contacter. Je vais guérir moi-même mon fils, quoi qu'il en coûte. Oh, les effets de lumière par contre sont magnifiques, l'ambiance sonore est excellente. Le jeu est très très joli, très sombre, mais très joli. Bah, en même temps... C'est un jeu qui fait peur, c'est fait pour. Voyez-vous, est-ce que je peux passer entre les tables? Oui. Celle-ci, oui. Et les autres, non. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire. J'espère que j'ai encore mon petit dico pour traduire, parce que sinon, je vais rien comprendre. Oh. Putain, il est chouette. Il était chouette à l'époque quand. Hein? Il était pas ravagé par. Le merdier. Ouais. Non, je peux pas savoir combien je pèse. Ok. Alors. Dortoir. Non. D'accord. Donc, pourquoi il y a une ampoule qui a pété? J'ai juste touché. D'accord. Bon, tout le monde fait dodo. Faut pas les déranger. Je suis d'accord. Alors. Pourquoi j'ai pu ouvrir un casier et pas l'autre? Quoi ce bordel? J'ai pu ouvrir... Acob. Est-ce que je peux ouvrir les autres? Non, il n'y a que Acob a priori pour l'instant. Là, ok. Tu bouges le passage mon grand. Dire que je peux pas je peux pas toucher le vélo. Un truc qui est pas rangé à sa place, forcément il me fait chier. Ok, qu'est-ce que je suis censé faire? En apprendre un peu plus sur l'internat, je veux bien, mais quand même un coffre. Ah ben voilà, il suffisait de demander. Clé. Le corbeau là, le pupitre ouvert. Anna, nous devons nous enfuir. C'est à cause de la directrice. Je l'espionnais, elle parlait à quelqu'un de quelque chose de mauvais. Tu dois me croire. Préviens tout le monde, nous n'avons pas beaucoup de temps. J'ai caché sa clé dans mon casier. Nous pouvons le faire. Aide-moi. Qu'est-ce qui fait le con? Oh, c'est le placard qu'on pouvait ouvrir. Cool. Oh, la clé. Yes. Good. Ok. Un drôle de bruit quand même.
sont pas censés pioter Ça bouge beaucoup autour de moi quand même. Hein. D'accord, c'est ouais, c'est un gaz, un somnifère pour tous les gosses qui sont transférés à l'hôpital pour une urgence. Ah oui, d'accord, je la garde. Why not? Allez, le petit bouquin. Un garçon spécial, Jacob, est venu au camp. Il n'a pas de parents ou de proches. Il est devenu mon préféré parce qu'il ressemble tellement à mon fils Ivan. Je veux vraiment le voir. Jacob est un bon garçon, bien qu'il ne parle pas, mais il comprend tout et fait tout ce que je lui demande. Dans l'après-midi, j'ai dû rencontrer Alexei Sergeïev au refuge où nous avions l'habitude de travailler. Il nous a ordonné de remplir notre accord ce soir. Ce jour est arrivé et Jacob va m'aider. Avant d'aller au lit, les enfants inventent toujours des histoires d'horreur pendant que les moniteurs les couchent. Cela peut les distraire. Nous avons travaillé ensemble dans un orphelinat avec Alexei. Puis j'ai agi de manière imprudente et j'ai reçu une plainte. Le directeur a dû fermer le refuge. J'ai été suspendu de tout travail médical. Maintenant je ne ferai plus une telle erreur. Car lui seul est au courant de notre accord. Je continuerai à lui trouver des personnes pour leur prélever leurs reins. Et Alexei nous aidera à réaliser une opération de transplantation cardiaque pour Ivan. D'après ce qui est indiqué dans le dossier médical, Jacob est un donneur idéal. J'organiserai un accident et personne ne le cherchera. Ok, ouais, bah j'ai tout. Ouais. Ok. Bon, maintenant que j'ai lu ça, vais-je en reprendre plein la gueule? Et revenir dans la... Qu'est-ce que c'est, délire? On va pas foutre le gaz quand même sous la porte. Si? What the fuck? Ah, on a juste fait un petit retour dans le passé. D'accord. Ok, ok. Voilà, c'est juste, ouais, vraiment un bad trip, quoi. Ok, mais on en apprend un peu plus. Ouais, alors, prends-le, ça, oui, ça, on va en avoir besoin. Oui. 10 smith, hein. 10 smith. Ouais, ça, on peut l'apprendre, quand même. Ouais, tac, ok. Non, ça va, il fait jour. Moi, j'aime bien quand il fait jour. Quoique, c'est pas forcément moins malaisant. Vous a dit de sortir de là et de laisser cet endroit tranquille. D'accord, donc il y a quelqu'un derrière cette porte, faut communiquer avec lui. Hop. Il a dit d'utiliser le bouquin, voilà. Ah nice, on va déchirer. Oh, on déchire la page et après, hop. Je sais ce qu'il s'est passé ici. Laisse-moi t'aider. Dis-moi, qui es-tu? Et après, on se sert du bouquin. Ah, du dictionnaire. Franchement, j'aime bien. C'est cool. Est-ce qu'on... Ah, on communique en lui filant la lettre. Ouais, elle va pas être prise, la lettre. Oh, putain, si. Non, non, je n'irai pas. Non!
Non, j'ai pas envie. En fait, est-ce qu'il y a la... C'était qui? Ah, c'était toi. Pas toi. Hein. Bon, ça a l'air safe. Oh, le petit con. Ah, regardez-moi l'autre. Il va me faire un tour de con, lui. Et prends le marteau, fous-lui sur la tronche, con. Tu bouges pas, hein, Roger. L'autre, il m'a écrit. Putain! J'avais dit de pas bouger. Should try writing the letter again. Ok, ben on essaye de faire une petite lettre. Allez, vas-y, déchire des pages, vas-y, ça coûte pas cher le papier. J'ai lu que des gens ont été tués ici. C'est vous qui avez fait ça? Dites-le moi, et je pourrai vous aider. Ouais. C'est un gosse, hein? Bien calme d'un coup. J'aime pas trop beaucoup ça quand c'est bien calme. Au moins il fait jour, c'est déjà. Accusé, mais je n'ai rien fait. Bon, casse-toi de là. Bon, ok. Mais non. Je peux pas. Attends, je peux même pas la possibilité de d'ouvrir là. À chaque fois, il y a un truc comme ça, c'est pour dire viens par là, viens. Viens te chier dessus, t'aimes ça. C'est pour ça que tu joues à ce genre de jeu. Non. Puis là, l'autre t'arrête. Putain, pourquoi j'ai tremblé? J'ai loupé un élément ou... Pourquoi j'ai eu de la musique à la con, là? Des fois, c'est juste la musique qui fait plus peur que le reste. On peut écrire une petite page. Moi, j'aime bien quand on discute avec l'autre. Ouais. Ah. Ok, voilà, ça c'est cool. Moi, ça me va. Moi, juste discuter, je peux faire ça toute ma vie. C'est cool. Ça bouge trop. Alors, ton nom c'est Jacob, et ça fait longtemps que tu es là tout seul. Depuis combien d'années tu es là tout seul? À peu près, hein. Niveau traduction, je vous ai dit, hein, moi et l'anglais. Je préfère aller jouer au baby-foot plutôt que d'aller faire de l'anglais, moi à l'époque. Hein. Allez. Hein, sans, ils peuvent pas te casser la gueule. Tu veux pas répondre, toi? Est-ce qu'il y a tes petits camarades de classe, là, qui font... Ah, si. Merci. Oui, ici, je peux communiquer avec mes amis. Nous gardons cet endroit parce que c'est notre maison. Beaucoup de gens sont venus ici pour nous déranger. Mais mes amis m'aident à éloigner les étrangers. J'ai peur que quelqu'un me voie et dise que je vis ici et que les gens viennent me chercher. De quoi, toc-toc? C'est à une vitre, ça, non? Putain de lapin, il est encore là.
C'est le lapin maudit, quoi. On dirait bien que c'était... Il est là, oui. On dirait bien que c'était une vitre. Attentif au bruit. Ah, je vais encore me prendre un truc ici dans la gueule alors que j'ai rien vu, rien fait. Non. Bon. Ah, il y a la musique de fond de merde là. Bon, en gros, je peux pas m'approcher encore de des fenêtres. Ce taré de lapin là qui joue au con. Ouais, il est toujours là. Ah bon, ouais, ouais. Alors, qui sont tes amis? Pourquoi êtes-vous là encore tous là? Ouais, j'aimerais bien le savoir, pourquoi vous êtes tous là encore? Les esprits de ce lieu, ceux qui ont été torturés ici, sont restés enfermés ici. Ce jour-là, le soir après l'extinction des feux, quelqu'un est venu. Probablement la personne avec qui la directrice avait parlé. Il ne m'a pas trouvé. Je pense qu'à cause de cela, il a empoisonné tous les résidents et la directrice. Ah non, non, mais il crie pas, c'est pas le moment, il y a quelqu'un dehors. Tout cela a été planifié par les dirigeants du camp. De quoi parlez-vous? À quel genre de personne parlait-elle? Là, ça pue. Il joue avec mes nerfs. C'est où elle? J'ai vu notre directrice parler à quelqu'un dans un vieil hôpital près du camp. Ils se sont mis d'accord pour faire leur travail la nuit. J'ai alors réalisé qu'il y avait un lien avec nous. Mais je ne pouvais pas prévenir tout le monde. Je n'ai pas vu qui d'autre était là. Parce que j'avais tellement peur que je me suis caché. Le matin, je suis allé dans le bâtiment et je n'ai trouvé personne. Même son coffre-fort n'était plus là. J'ai pensé que l'homme et ses assistants avaient emmené tout le monde et caché les corps dans le bâtiment. J'ai dû rester ici et vivre dans la ventilation en allant seulement, parfois, dans les chambres. C'est stressant ce bruit de porte là. T'as mis à combien de pages dans ce bouquin là? Un bâtiment abandonné? Je peux y aller? Ah non, il y a encore la musique là. C'est dommage d'ailleurs parce qu'on a tendance à être sur nos gardes à chaque fois là. Quand il y a cette musique, c'est vrai que ça rajoute un petit fond. Un petit fond qui fait crépiter un peu les fesses, mais. Oh, j'avais pas fait gaffe. J'avais peur, et je ne savais pas que ça allait se terminer comme ça. Je lui faisais confiance, mon amie Anna. Je suis désolé de ne pas avoir pu arrêter ça.
De quoi, de quoi? J'ai pas pigé, j'ai pas compris ce qu'il m'avait dit. Enfin, je regarderai ça au rush vidéo. Voilà. A priori, de ce que j'ai compris, il veut plus communiquer. Est-ce que ça y est? On va pouvoir y aller. Ah yes! Ah! Ok. Bon, alors, on est dans l'hôpital abandonné. Alors, ouais, ça, on va le prendre. Hein, on va en avoir un peu besoin. Ok, ça aussi. D'accord. Je sais pas si c'est moi. Donc là, normalement, on doit trouver des preuves. L'ambiance est glauque. Ce jeu est glauque de base. Il y a des chaînes. Ok. Trouver une scie. Comme dans Saw. Pas parler. Ah. Les attrapeurs de rêves. La petite croix et il y a plusieurs croyances. Bon, ok. Moi je veux bien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ces bruits là, il faut monter la tension quoi. Non, on va la laisser allumer. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va me popper à la gueule, je vais pas être bien. On entend bien quelque chose marcher, hein. Oh. C'est passé où? Oh. L'environnement, il a changé. Il est où mon sac? Oh, ok, attends, joli. 1946, après la guerre.
Des dizaines d'enfants se retrouvent dans des foyers après avoir perdu leurs parents. Un orphelinat pour l'entretien et l'éducation fonctionne comme à l'armée. Ok. Et mais je vais m'en prendre plein la gueule. Parce que là, l'ambiance est vraiment, vraiment, vraiment pesante. Oh non. Oh bah après un lapin, on a un truc dégueulasse. Ah, creepy. Ok, ok, bof. Le médecin de l'orphelinat a été emprisonné pour trafic illégal d'organes pendant 6 ans. Il a frauduleusement établi des diagnostics incorrects et pratiqué des opérations pour retirer des reins. Le directeur n'était pas au courant, mais il n'a pas pu continuer à occuper son poste. L'orphelinat a été fermé, le bâtiment abandonné. Chaîne, ouais, bah ça joue bien. Et ça, je la sens pas. Ah là, je regarde partout ouais, parce que. Putain! Ah non! Ok, bon, on est revenu au début, c'est cool. Ah non, il n'y a plus de porte. Putain. Ok, donc le mec il se balade avec une meuleuse dans son sac. D'accord. Mais quel genre de type va visiter un orphelinat abandonné avec une meuleuse? Parce que c'est quand même plutôt bien pratique. Est-ce que là, normalement, j'avais une autre porte? Est-ce que je... Oui, ok. C'est peut-être une connerie. Clairement, je fais peut-être une connerie. Bon, dans l'inconscient des gens, normalement, on serait plus tous allés par là, hein, première porte. Eh bien, moi, non. Si. Oh, je vous dis, ouais, c'est elle qui va me suivre maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme preuve? Je ne sais pas si je vais tenir jusqu'au matin, parce que le travail m'ennuie. Je veux m'enfuir d'ici, mais je ne serai pas payé. J'entends des voix, comme si je n'étais pas seul. J'ai cru voir une femme, enfin plutôt une silhouette ou une ombre. Elle est entrée dans une armoire. J'ai peur de la suivre ou de déplacer l'armoire. Je ne veux pas vérifier si c'est vrai ou peut-être juste parce que c'est mon imagination qui me joue des tours après un verre de vodka. Sur l'armoire sont accrochés des objets faits de plumes et de toiles d'araignée. Je ne les ai jamais vus nulle part. Ils ont l'air terrifiants et ça sent la mort ici. Ok, je prends un autre verre et je vais me coucher jusqu'au matin. Les petites auréoles dans le lit, là, c'est tout ce que ça veut dire. C'est quoi, c'est... On dirait des pois.
Bon, on va pas trop chercher à savoir ce qu'il faisait ici. Hein. Alors normalement, on va reprendre un jumpscare. Oh putain. J'ai pas envie de regarder. Ça c'est le genre de jeu où il faudrait qu'on avance les yeux fermés. J'ai pas envie de me retourner. On le sait qu'on va en prendre un, c'est ça le pire. Hein. On sait qu'on va prendre un truc qui va vous décoller le cœur. De la poitrine, mais putain, j'ai pas envie. Alors, je l'ai vu la note, hein. Ne quittez pas. J'aime bien faire le tour avant. Bon, là, c'est bon, c'est simple. Faut lire la note. Je sais ce que j'ai fait est mal, mais je n'ai pas le choix. Je dois sauver mon fils, Ivan. J'ai eu de la chance qu'Alexei accepte de m'aider. Je ne dois pas le laisser tomber. Personne ne doit savoir notre arrangement. Et juste aller ouvrir la porte, c'est bon. Non, non, non. J'aime pas ça, putain. D'accord. Donc j'ai plus de batterie sur la meuleuse. Alors à partir de maintenant, c'est free time. Putain. Maintenant, faut plus qu'on se retrouve bloqué. Oh. Salle d'opération. Oh, c'est dommage, c'est le même pattern à chaque fois pour le. Les matelas, mais bon, après le game design, mani. Ah non, 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 moi la dernière fois que j'ai levé la tête, j'ai entendu de l'eau couler. Non, ça va. Non, non, dis-moi pas qu'il y a un machin qui me suit derrière avec un couteau, hein, pour me buter, hein. Alors, généralement, c'est en lisant ce genre de preuves que, hein. Je n'ai pas eu le temps de le sauver. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Pas mon petit Vaneshka. Je vais le sauver. Je dois trouver un donneur de toute urgence. Et c'est là que ça va partir en sucette. Il y a l'eau qui coule. Oh, nice. Ah oui, je prends un coup boulon. J'aime pas ces bruits. Il se rapproche de moi chaque fois. Et le pire, c'est qu'on les entend, mais on sait pas identifier d'où ils viennent. Putain, mais ça a encore changé ici. Putain, c'est Barjo, hein. On tourne la tête, t'as l'environnement qui change. J'ai pas pris le raccourci, peut-être. Attention. J'attends qu'une chose, c'est que la porte se referme sur mon nez ou qu'il y a un truc qui me repasse devant. Toujours pas revenu. La porte de gauche, elle y était, oui. C'est la première qu'on avait faite, mais c'était refermée à clé. Suarna vient de le voir. A priori, ça n'a pas changé. Il y a un truc qui marche dans ce couloir. Ta mère! Ah, ok. Ah,
Après, c'est pas un jeu con dans soi où il y a que des jumpscares. Il y a quand même une histoire derrière qui est quand même vachement bien faite. Il y a une trame qui est quand même bien, bien. Mais punaise. Prendre les jumpscares, vache. Oh non. Porte s'est refermée derrière. Non, ça va. Quoi ? Les chaînes ont été remises ? Alors, généralement, quand on se retourne. Non ? Ça va ? Attends, elle est ouverte. Oh, les petits malins ! Préparez-vous les... Oui, ça y est, je le savais. Oh non. Putain. Ok. Putain. Bah elle est moche, hein. Ok. Et ça va crescendo, hein. Ok, donc là on revient au début. Et maintenant on les entend courir de l'autre côté. T'es sérieux là? L'attrapeur de rêve. Ah. Oula, oula, oula. Là on va dans l'occulte là. Oh, c'est un antéchrist maintenant. Alors là, accrochez-vous à tout ce que vous pouvez, à mon avis. On va en prendre plein le bulbe. C'est tous les gosses. Oh, enculé. Oh, j'entends que ça bouge autour de moi. Voici les documents de 1958. Alexei, dont Maria a parlé, lui a répondu qu'il ne participerait plus à cette affaire et a refusé de travailler avec elle. Alors, quelle était l'affaire en question? Et à qui parlait-elle lorsque Yakov l'a vu? Il y a autre chose. Le document d'acte de décès, c'est son fils, Ivan. Il est mort à l'automne 1950. Apparemment, elle ne pouvait pas le supporter et serait devenue folle. Elle voulait tellement le sauver qu'elle en a perdu le contact avec la réalité. Pauvre femme. Ok. Ouais. Que celui qui me trouve ressente la douleur d'une mère qui a perdu son enfant. Je maudis tous ceux qui n'ont pas pu m'aider. Et je ne vais pas partir comme ça. Je vais revenir. J'aime pas quand c'est marqué « I will be back ». Oh non. Putain. Elle est où? Où est passé le corps? Sur les os, ça fait un bruit dégueulasse. Ah. Est-ce que... Oh. D'accord. En tout cas, il est stylé, hein, franchement. Il y a la porte. Ouais. Ok. Ok, c'est vu. Ça va. C'est cool. Ça y est, on a exorcisé, c'est fini. Putain, mais c'est où la sortie? Je crois que
c'est là, hein, on est rentré. Il y a mon sac, oui. Est-ce qu'on peut sortir? Est-ce qu'on peut sortir? Oui. Oh, enculé. J'aime pas quand t'as... Ouvre. Doucement. Ok. On a fait un petit saut dans le temps. Impeccable. Oh. Est-ce qu'on va pouvoir lui annoncer que tout est fini et qu'il est libre? Toi, t'es gentil, hein? Tu restes calme. Hein? Oh, ils ont de nouveau tumuré. Ok, donc là, on est sur une nouvelle aventure. Yes. Ok, donc c'est un autre endroit. Ok, quelques jours plus tard. Donc là, il disait qu'il allait visiter un autre endroit, pareil, chargé de mystère. D'accord. Oh ben non. C'est que ce bordel. Quoi, on est reparti? The battery is dead. Icky. Oh, c'est le même couteau. Il est encore tombé chez une folle furieuse. Donc. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Oh, l'attrapeur de rêve encore. Oh putain. Oh non, non, non. Oh, ça pue, ça. Oh non, non. Préparez-vous. On va sursauter. Préparez-vous.
Je le sens bien encore. Encore faire des bonds de kangourou derrière les... sur la chaise. Ah ouais, il y a le son et tout. Attention. Aïe, aïe, aïe. C'est derrière moi. Putain. Attention. Non? Ouf! Oh! Bon! Eh bien, excellent! Excellent petit jeu! Ouais, franchement, bah, vous faire péter le cœur, mais franchement, très très bien foutu! Enfin, la patte graphique est vraiment excellente! On est vraiment dans l'ambiance! Peut-être même un peu trop de jumpscare pour le coup, ouais! C'est... À la fin, on s'y attend presque! Bon, j'ai quand même été surpris, même 2-3 fois! L'ambiance sonore est magnifique, très pesante, enfin tout ce qu'il faut bien. Et l'histoire est franchement cool. Donc ouais, excellent petit jeu, franchement, je vous le conseille. Ça faisait un moment que je l'avais dans la bibliothèque, je voulais le tester et ben, je regrette pas du tout. J'espère que ben, vous êtes bien chié dessus, comme moi. Ou bien marré, ça dépend moi, la sensibilité de chacun, mais franchement... Ouais, à refaire. Bon, a priori, il y aurait une suite. Donc, dès que je la trouve, il faut que je regarde. Je crois que même qu'elle est sortie. Donc, à partir de là, on continuera nos aventures. Mais en attendant, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, bye bye les amis, à bientôt.